kwaki na monte mara na mapapa mangai oboi pobituna yo na bonyo kwa bima rosa bonyo maladie sensoriel okotuna teo koye bateo kaka sola mala se kunanga yo iswa ta ekufi na tangwe kiki komona Miami sue cosilate, e cosangate, popoli salita, potonanga di susute, nous n'étions beaucoup des amis heureux. En couleur d'eau, en noir et blanc, ce n'est pas important, y'a ma bébé, les timidieux. Qu'importe notre amour est plus beau. Otika como nunca te casi toni gana se pongo Rosali wanga rosai kawayonde pene ke komba sala na yo na kimia tant que tu es dans mes bras tu es en sécurité tu es protégé na mili munyoka ya danger na kotika te na kolala te Aujourd'hui, nous recevons Papa Wemba. Bonjour, Papa Wemba. Bonjour, Sébastien. Ravi de vous recevoir. Vous venez de fêter vos 65 ans, bientôt 50 ans de carrière. Vous sortez votre 38e album, Maître d'école. Est-ce qu'après tout ce temps-là, vous avez encore envie de faire de la musique, de vous retrouver sur scène? En fait, le seul endroit qui me donne beaucoup plus de plaisir, c'est la scène, c'est le studio. En fait, en tout et pour tout, c'est la musique, quoi. Je me plais, je nage comme un poisson dans l'eau, quoi. J'ai toujours envie, quoi, parce que... dans mon sac, j'ai encore plein d'informations que je n'ai pas encore tout déballé. D'accord. Donc, je suis encore dans le tunnel. On a encore beaucoup de choses à découvrir. Cet album, Maître d'école, marque une sorte de retour à la rumba originelle. Qu'est-ce qui a motivé cette direction?
Elle a été critiquée hier. On dit de ça que, voilà, qu'elle est détonée par d'autres genres musicaux. Mmh. Peu importe. Mais elle était hier, elle y est encore aujourd'hui. Oui. Et demain, elle y sera toujours, la rumba. C'est pourquoi je me dis que je suis parmi les défenseurs de ce genre rythmique, quoi. En fait, encore, j'y vais plus loin. Elle est la maternité de la musique africaine. Mais alors, avec votre groupe, dans les années 70, vous aviez créé Zaïko Langa Langa, vous l'aviez dynamité, cette rumba. Avec, vous l'avez apporté avec des amis. Une forme de modernité, côté rock, vous l'avez accéléré. Et là, vous êtes de retour à quelque chose de plus traditionnel. De plus traditionnel, parce que elle est défendue comme ça, la rumba. Mmh. Elle est défendue comme ça chez nous, quoi. En fait, dans Zaïko Langa Langa, on voulait sortir un peu de l'ordinaire. C'était l'époque des Yéyé, l'époque de Beatles et qu'on sort, quoi. Nous, on voulait faire un truc propre à nous, quoi. Mmh. Et ça marchait, ça avait accroché, quoi. Mais aujourd'hui, on retourne beaucoup plus à la vraie rumba, quoi. C'est quoi les fondamentaux de la vraie rumba? C'est quoi la base? En fait, la base, c'est le chant, oui. Mélodie, des phrases, des mots. Et ensuite, ce sont des guitares qui accompagnent le voix et tous les instruments, quoi. Mais au départ, la basse et la guitare, quoi. Vous avez respecté ces fondamentaux pour cet album? Ah oui, je ne me suis pas écarté de ça. Mmh. Mais bon, j'ai fait des petits clins d'œil parce que je suis quelqu'un qui a des oreilles un peu écartées comme ça. Mmh. Je fais des petits clins d'œil avec d'autres styles, quoi. Piano, voix, guitare, voix, ça me plaît. Vous avez changé votre façon de travailler, vous avez changé d'équipe, vous êtes accompagné par Jojo Lina, Tituka, et puis Yves Njok, qui vous ont épaulé dans la direction musicale et dans les arrangements. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé et qu'est-ce que vous leur avez demandé? En fait, je me suis dit que voilà, je connais mes limites, hein, en tant qu'homme. Je connais mes limites, quoi. Je me dis, il faudra que j'ai une équipe qui va travailler avec moi. Et je leur ai donné des directives à suivre, quoi. Mmh. Donc, le travail a été tellement concluant et le résultat est là. Oui. Ils vous ont apporté des choses différentes par rapport à cette rumba? Pour dire vrai, je suis resté vraiment, vraiment dans la rumba. D'accord. Dans la rumba qui est faite chez nous. Je ne me suis pas écarté de ça, mais seulement avec leur fraîcheur, avec leur façon de voir aussi. Ça s'est marié avec la mienne et puis voilà. Vous disiez que vous gardiez les oreilles grandes ouvertes. Il y a une scène, jeune scène musicale importante à Kinshasa? Ah oui. Il y a des enfants qui viennent aujourd'hui, là, la vingtaine. C'est vrai qu'on peut tout dire, mais bon, on y écoute et puis on fait avec eux. Mmh. Vous les intégrez, par exemple, dans Viva la Musica, ces jeunes musiciens voyez, votre groupe de Kinshasa. De Kinshasa, oui. Ah oui. Alors aujourd'hui, vous êtes avec le groupe parisien qui s'appelle? Ça, c'est mon groupe parisien qui s'appelle Européen, Molokai. Pour la tournée, européennes. Pour les tournées européennes. Puis il y a Viva la Musica qui vous attend à Kinshasa. Ah ouais. Merci beaucoup, Papa Wemba. On continue de discuter dans un instant, mais on est là pour découvrir cet album qui s'appelle Maître d'école. Thank you.
Le Maria, maman a Jésus mon santo. Ave Maria, maio mata me mati que lembota. Maria de parfums, plus de couleurs, dans un seul jardin libre et serein, où j'arrose mon prochain. Dans mes rêves, je suis un enfant d'un futur très très brillant. J'apprendrai tout de mes parents, valable pour tout mon vivant. Oh, 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 oh. Dans mes rêves, je suis de l'argent, avec odeur, mais de l'honneur. Dans mes rêves, je suis travailleur, mais je gagne avec sueur. Le chapitre m'éloigne de l'esprit. Dans mon cœur, j'ai mal. Dans mon cœur, j'ai mal. Yeah, yeah. Dans l'effort, je crève, car ce n'est qu'un
simple rêve. Passe na mon tema, gai passe na mon tema, heureux. Passe na mon tema, pues anango nata. Passe na molema, pues anango nata. Aïe, 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 j'ai mal au cœur, car ce n'est que simple rêve. L'album que nous découvrons aujourd'hui est l'album Maître d'école de Papa Wemba, double album, 25 chansons, vous aviez énormément de choses à dire, vous avez enregistré encore plus de chansons, j'imagine, il a fallu faire le tri. Ça faisait 2 ans que j'étais dans cet album-là, quoi. J'ai failli m'arrêter à 13 titres, mais bon, c'est en mangeant que l'appétit vient. J'ai allongé, et puis bon, je suis arrivé jusqu'à 25 titres. C'est une grande première pour moi. Mais bon, ça ne m'affole pas, et puis je suis très content d'avoir ce double album. Pourquoi avoir appelé l'album Maître d'école ? Maître d'école, en fait, je trône depuis plus de 3 décennies devant, au-dessus d'une institution qui s'appelle Molokai Viva la Musica, Papa Wemba, et qui a vu défiler bon nombre d'artistes qui aujourd'hui font l'honneur de la rumba congolaise, quoi. Alors je me dis que je suis le maître d'école absolu. Oui, vous êtes l'un des derniers patriarches, en tout cas, de la musique congolaise. Taboulé Rochereau est mort il y a quelques temps. Paix à son âme. Vous vous sentez dépositaire d'une mission ? Bon. Une responsabilité ? C'est vrai que je ne peux pas m'écarter de ça, hein. Je suis là et j'ai encore mes reins solides, je suis encore un homme debout, quoi. Donc quitte aux enfants aujourd'hui de dire que voilà, nous avons un modèle qui était là, qui est encore vivant, autant nous approcher de lui, quoi, et apprendre tout ce que lui l'avait appris aussi à ses aînés. De quoi parle cet album ? L'amour. De quoi charnel. Parle la rumba ? D'amour ? L'amour. Mais je ne m'arrête pas seulement à chanter l'amour, quoi. Ni pas l'amour charnel, mais l'amour au vrai sens du mot, quoi. Et il y a même l'amour du football. Je chante l'amour du football dedans, où je cite même Messi, où je cite même Ronaldo. Et cite tout ça même avec Ronaldo. Le côté langoureux de la rumba. Ah oui. On peut citer Messi sans problème. 4 fois ballon d'or. Oui, ça, on peut lui faire une déclaration d'amour. En parlant d'amour, vous êtes marié au mois d'août avec Marie-Rose Amazon, c'était à Kinshasa, et vous avez fait un grand bal populaire pour les Kinois. Vous avez donc donné un immense concert. Est-ce que la fête a été belle ? Ah oui, pourquoi pas. C'était un rendez-vous à ne pas manquer, ça. Après 44 ans de vie commune, nous avons décidé d'aller sceller notre amour dans l'église. Pourquoi devant la population de Kinshasa ? Parce que vous entretenez un rapport particulier avec cette ville. Il nous fallait ça parce qu'eux, ils sont témoins de cette union, quoi. Ils sont témoins, quoi. Ils étaient là dans nos débuts, quoi. Il fallait leur rendre ça, quoi. Et leur donner aussi cette occasion de nous voir tous les deux publiquement, quoi. Et c'est une femme que j'aime, que j'adore, avec tous mes enfants, avec tous les enfants que j'ai à travers le monde. Combien d'enfants ? La question qu'il ne faut pas poser. Alors attention. À peu près. Non, mais je suis un papa de plusieurs enfants, quoi. D'accord. De plusieurs enfants. Et je les adore tous, mes enfants, quoi. Je les aime. La grande famille de Papa Wemba. Vous êtes un grand sapeur. Est-ce qu'on parle toujours de la sape ? Où en est la sape ? Bon, en bien ou en mal, hier aussi, elle était critiquée, hein, la sape. Oui. Ça disait que c'est un truc de voyous et consorts. Mais aujourd'hui, la tout SAP, le monde… La sape, ça veut dire la… La société des ambianceurs et personnes élégantes. Mais aujourd'hui, tout le monde se réclame sapeur. Mmh. C'est pas que je m'en manque, mais je dis bravo à toi, papa, parce que c'est toi qui as propulsé ce truc-là, quoi. Vous êtes toujours très, très élégant. Ah, je note le détail de la doublure du chapeau assorti avec le pantalon. Voilà. Quand même, juste, mais alors, voilà, tout est dans le détail. On ne le voit, on voit pas la doublure, mais moi je la vois bien, donc noire et blanche. Ah oui. Vous êtes toujours à l'affût, c'est des jeunes créateurs africains que vous mettez en avant ? En fait, j'essaye de rassembler le tout en un, quoi. Oui. Donc j'ai chopé un peu de partout, quoi. Et ça fait le look Papa Wemba. Merci beaucoup Papa Wemba. Merci Sébastien. L'album s'appelle Maître d'école, on continue de le découvrir dans l'acoustique. Yeah,
Bolingo benga ngai, manja titre heureux.